Hello, hello. Aujourd'hui, on se fait une dégustation de kvass, un produit venu du froid. Un soda à base de céréales, un peu comme de la bière, si on veut. C'est à base de pain fermenté, etc. Donc là, c'est la version achetée en France, importée. Vous dire un petit peu ce que ça goûte, à quoi ça peut ressembler. Petite odeur de vin, très légère. La couleur, ça ressemble beaucoup à du cidre un peu. Donc la couleur, c'est vraiment ouais du cidre. Gazéifié, donc ça on le savait. Maintenant la dégustation. C'est le gaz, il est pas comme dans le coca, il agresse pas. C'est ça sent ce que ça goûte. Ça sent ce que ça goûte. C'est un peu fruité. C'est effectivement un goût de pain, pain de seigle peut-être, pas une baguette, hein, vraiment un pain céréal, quelque chose comme ça. Le gaz est très léger, je pense qu'il n'y en a pas, je vérifierai, je pense qu'il n'y a pas de rajout de gaz. Ça ressemble à rien de ce que vous pouvez connaître. En guise de soda, non, ça ressemble à rien. C'est comme si vous mangiez un morceau de pain de seigle, mais en le buvant avec des bulles. C'est pas mauvais, c'est rafraîchissant. Ça laisse un bon goût dans la bouche. Ça ressemble à... C'est le plus proche, c'est vraiment du cidre. Il y a un début. Au début, c'est un peu comme du cidre. Et après, on part sur le goût de pain de seigle, céréales, en liquide avec des bulles. C'est pas mauvais. Et c'est vraiment unique. C'est vraiment unique. Et n'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de vidéo vous a plu, quand je trouverai des produits dispo dans Tarkov ou quelque chose qui s'en rapproche. Je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Lâchez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et on se dit à très vite sur Tarkov.